on a ouvert l'ouvrage avec ces constats-là, mettant en évidence que il y a plusieurs enquêtes au niveau international qui s'intéressent à comparer les systèmes éducatifs, notamment PISA. Et le rapport d'enquête de 2015, PISA, met en évidence que les élèves français sont ceux qui ont les plus faibles indices de motivation scolaire de tous les pays de l'OCDE. Et voilà, il y a quand même un sujet autour de la motivation des élèves en France. Et deuxième enquête qui est révélée par la note de Alguéran Willery Prost, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, qui fait une comparaison entre la France et les pays de même niveau économique, l'Allemagne, les États-Unis, puis les pays du Nord, mettant en évidence que la France, que les élèves français sont ceux qui rapportent le plus haut niveau d'anxiété par rapport aux élèves de ces trois pays-là, le plus faible ou la plus faible perception de compétences, le plus faible taux de persévérance dans les apprentissages, que le niveau d'ouverture vis-à-vis des maths est plus faible en France que dans ces autres pays, et que le locus de causalité interne, c'est-à-dire le fait de considérer que ces actions dépendent de soi et non pas de l'extérieur, ce qu'on appelle le locus interne de causalité, est plus faible chez les élèves français que chez ceux de ces quatre autres pays. Donc voilà, il y a un sujet autour de la motivation et on va essayer de voir un peu quelles sont les perspectives que l'on peut ouvrir ou qui peuvent être éclairées par les théories de la motivation, en particulier la théorie de l'autodétermination. Première question, qu'est-ce que la motivation? Il y a plein de théories sur la motivation, il y a plein de définitions de la motivation. L'une des plus consensuelles, c'est de considérer que la motivation relève de forces internes, propres à l'individu, en l'occurrence l'élève, sa personnalité, son vécu, et d'autres éléments aussi. Et puis aussi de forces externes qui relèvent du climat de classe, de ce que met en place l'enseignant. Et l'ensemble de ces forces, qu'elles soient internes ou externes, contribuent à dynamiser le comportement, à l'orienter vers un but, et donc à nourrir cette motivation. Qui, elle, cette motivation, renvoie au pourquoi du comportement. C'est vraiment ce qui pousse à agir, c'est le ressort de l'engagement, en l'occurrence dans les apprentissages, c'est de cela dont on va parler. Et en aucun cas, cette motivation peut être considérée comme une prédisposition naturelle ou un don. Il n'y a pas de gène de la motivation. C'est éminemment psychosocial, la motivation. À la fois, il y a des déterminismes internes à l'individu, à l'élève, et aussi des déterminismes qui se logent dans son environnement. Tout ça pour dire que, en définitive, c'est l'idée principale à retenir de cette première diapositive sur la motivation, c'est qu'elle peut être considérée comme une responsabilité partagée entre l'élève qui décide toujours en dernier ressort de s'engager ou pas dans ses devoirs, d'écouter ou pas en maths, en français, etc. et l'enseignant qui peut mettre en place un certain nombre d'éléments dans sa classe qui vont susciter, qui vont favoriser l'engagement de l'élève. Donc c'est bien une responsabilité partagée. Quand on dit parfois en conseil de classe, cet élève ne peut pas réussir parce qu'il n'est pas motivé, eh bien on impute toute la responsabilité à l'élève. En négligeant le fait qu'elle dépend aussi des gestes professionnels et d'activités de l'enseignant qui suscitent ou non cette motivation. La théorie de l'autodétermination, cette spécificité, c'est de considérer que la motivation n'est pas seulement une question de quantité, on n'est pas seulement beaucoup ou pas motivé, on est surtout, et c'est pour ça que je présente la métaphore de l'iceberg, motivé par différentes choses. On peut envisager différentes natures de motivation. Ce seraient des raisons sous-jacentes, invisibles, qui expliquent le comportement. On peut s'engager à l'école ou ne pas s'engager pour différentes raisons. On peut s'engager parce que on éprouve du plaisir à l'école, on est stimulé intellectuellement par les apprentissages et les contenus qui sont proposés. On peut se sentir obligé d'étudier parce qu'on n'a pas le choix, l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans. Les élèves peuvent aussi s'engager dans les apprentissages parce qu'ils ont compris l'intérêt, le sens. Ou bien s'engager uniquement pour la bonne note, c'est peut-être l'effet pervers de Parcoursup aujourd'hui qui sélectionne les élèves au sortir du bac et les résultats scolaires, le dossier scolaire depuis le lycée, depuis la première compte. Et donc, vraiment avoir des bonnes notes pour pouvoir choisir son orientation peut devenir une raison qui explique le comportement. Tout ça pour dire qu'un même comportement observable, l'élève qui s'engage, qui travaille, qui pose des questions, qui prend des notes, peut être expliqué par des raisons différentes.
le plaisir, l'obligation, le sens, etc. Et les conséquences de ces raisons-là, de ces différentes formes de motivation, ne sont pas les mêmes. Et c'est bien ça qui nous intéresse. Pour structurer ces différentes raisons, la théorie d'autodétermination propose un continuum qui identifie différentes formes de motivation. Trois grandes catégories de motivation peuvent être repérées. D'abord, les motivations autonomes, en vert, qui se caractérisent par le fait de s'engager volontairement dans l'apprentissage. Les motivations contraintes, en jaune, qui se caractérisent par le fait de se sentir obligé, forcé, soit pour des raisons externes, menaces de punition par exemple, soit pour des raisons internes, sentir coupable de ne pas réussir. Et puis, à gauche du continuum, en rouge, il y a un état d'amotivation qui est un état de résignation. Ce qui est important de retenir, c'est que ces différentes formes de motivation, qu'elles soient autonomes ou contraintes, elles s'appuient sur différentes régulations motivationnelles qui sont de différentes natures. Dans les motivations autonomes, la motivation la plus emblématique ou la plus autonome qui soit, c'est la motivation intrinsèque. C'est le fait de s'engager par plaisir, par curiosité, par intérêt pour la tâche. Mais il y a également le sens, la régulation identifiée, c'est le fait d'avoir compris l'utilité, le sens. Toutes ces formes-là de motivation, en vert, c'est donc les motivations autonomes. Et si on regarde un petit peu comment elles se distribuent dans la population scolaire, tout âge et parcours différents, on s'aperçoit que globalement, les élèves, au fur et à mesure de leur parcours scolaire, ont tendance à passer de motivation autonome en vert plutôt vers des motivations contraintes. Donc, elle tendance à diminuer en qualité. Et que ensuite, dans le secondaire, il y a une minorité d'élèves qui est dans le vert, qui vraiment vient à l'école volontairement. Une majorité d'élèves qui est dans le jaune, qui vient à l'école en se sentant un peu obligé. Et une petite frange qui est préoccupante d'élèves qui sont en situation d'amotivation, de résignation. Et c'est important de bien différencier ça parce que les conséquences de l'une ou de l'autre de ces formes de motivation ont un impact important sur leur engagement. Lorsque l'élève il s'engage à l'école pour des motivations autonomes, en poursuivant des motivations autonomes, celles-ci sont associées à l'effort, à la persévérance dans les tâches, lorsque celles-ci sont difficiles et qu'elles demandent du travail, poursuivre une motivation autonome favorise cet engagement, cette persévérance. Elles sont également associées à des émotions agréables et des stratégies d'apprentissage différentes. Les élèves qui sont mus par une motivation autonome ont plutôt tendance à faire des apprentissages conceptuels, à essayer de mettre en relation les contenus d'apprentissage avec leurs connaissances déjà établies, faire des fiches, des cartes mentales, etc. Contrario, les élèves qui viennent à l'école pour sous l'effet de motivation contrainte, ils ont tendance à réduire leurs efforts dès que l'enseignant tourne les talons, à ressentir beaucoup d'anxiété pour savoir si leur engagement est suffisant pour leur éviter la punition ou les heures de colle ou une remarque, un mot dans le carnet. Ils ont tendance à utiliser des stratégies d'apprentissage superficielles, apprendre par cœur et à adopter des comportements déviants dès que ils ne sont plus sous le feu du contrôle de l'enseignant, par exemple. Enfin, la motivation, c'est une des variables les plus prédictives du décrochage scolaire. Et donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, ça va être de savoir, puisque les motivations autonomes sont associées à des conséquences beaucoup plus adaptatives en termes d'apprentissage que les motivations contraintes, comment faire en sorte pour aider ces élèves qui sont majoritairement dans le jaune, dans les motivations contraintes, à passer dans le vert. Les études, il existe de nombreuses études qui sont plus précisément intéressées à regarder les relations qu'il y a entre ces différentes formes de motivation et différents indicateurs d'engagement et de désengagement et corroborent globalement ce que je viens de présenter à la diapositive précédente. Donc, c'est quand même des études qui sont solides. Là, on a une méta-analyse qui porte sur 344 études et plus de 223 000 élèves. C'est un bel échantillon mettant en évidence effectivement qu'en termes de résultats scolaires, d'efforts et d'engagement, les motivations autonomes sont plus fortement et positivement corrélées, qu'elles sont négativement corrélées à l'anxiété et au décrochage et que ce pattern-là de relation est inversement proportionnel avec, et l'inverse, c'est le symétrique inverse au niveau de la motivation. Les élèves qui sont dans le rouge ont des corrélations qui sont négatives vis-à-vis des résultats scolaires, de l'engagement et des efforts, et positif vis-à-vis de l'anxiété et du décrochage. Entre les deux,
entre motivation autonome en vert et amotivation en rouge, eh bien, dans les motivations contraintes, il y a des corrélations qui sont plutôt, enfin, qui traduisent plutôt du désengagement ou des comportements peu adaptatifs. Par exemple, la corrélation positive avec, avec l'anxiété ou les faibles corrélations avec les résultats scolaires. Voilà pour la motivation. Retenons qu'il y a trois grands types de motivation, les motivations autonomes, contraintes et à motivation, et que dans les motivations autonomes, il y a une forme de motivation dont on va parler bientôt qu'il faut garder à l'esprit, c'est la motivation intrinsèque, c'est le plaisir de s'engager dans l'apprentissage. Passons maintenant à deuxième point, comment fonctionne la motivation? Premier constat qui vraiment est partagé, c'est que tout le monde est motivé. On a une tendance naturelle à être curieux, à être porté vers le développement de nos compétences, à être intéressé par le fait de vivre de nouvelles expériences. C'est une motivation spontanée que Di Domenico et Ryan corrèlent ou associent à un système, au système exploratoire, qui est un système émotionnel primaire qui a été développé tout au long de la phylogénèse de l'espèce pour assurer la survie. Et ce système exploratoire qui nous a permis de survivre toutes ces années vise à élaborer des processus mentaux pour mieux comprendre son environnement et s'y adapter. Et cette tendance spontanée à essayer de comprendre, à essayer de s'adapter, est le ressort de cette tendance naturelle à l'autodétermination, à être motivé pour comprendre et être curieux. Deux mécanismes particuliers sont rattachés à cette tendance naturelle à l'autodétermination, la motivation intrinsèque et l'internalisation. La motivation intrinsèque, je disais tout à l'heure, c'est le fait que de s'engager dans une activité pour elle-même, pour le plaisir, la curiosité, l'intérêt, le défi. Et l'illustration la plus manifeste de cette motivation intrinsèque, c'est le jeu. Tous les enfants jouent spontanément parce que derrière le jeu, il y a un enjeu d'apprentissage. On apprend à manipuler des objets, tenir en équilibre, développer ses compétences sociales ou cognitives à travers les jeux vidéo, par exemple. Et donc, la motivation intrinsèque, c'est profondément un mécanisme d'apprentissage, de développement et d'adaptation. La motivation intrinsèque, donc, elle relie l'individu à l'activité dans une relation de plaisir, d'intérêt et de curiosité. Mais le problème, c'est que toutes les activités humaines ne sont pas intrinsèquement satisfaisantes. Et c'est bien le cas, et c'est souvent le cas de l'apprentissage scolaire. Eh bien, c'est que le fait de faire des cours de maths, de suivre des cours de maths, de français, de PS, de musique, de langue, etc. Pour beaucoup d'élèves, ben c'est pas source de plaisir. C'est pas perdu pour autant, parce qu'il y a un deuxième mécanisme qui est celui de l'internalisation. C'est la possibilité d'assimiler, d'intégrer dans son système de valeurs et sa personnalité le bien fondé, l'intérêt, le sens de ces activités qui sont pas intrinsèquement plaisantes. Alors, quels sont les types d'activités humaines dont on peut internaliser les valeurs, l'intérêt, le sens? Ben, en premier lieu, évidemment, les apprentissages scolaires. C'est pas parce qu'on n'est pas motivé par les maths qu'on peut pas trouver du sens et progressivement avancer vers des motivations autonomes en direction des maths. On internalise aussi beaucoup des valeurs. Les valeurs, l'entraide, la coopération ne sont pas des valeurs innées. Elles ne sont pas présentes chez les enfants dès leur plus jeune âge. Elles se développent par un effet de socialisation. Donc, le fait de baigner dans un environnement dans lequel l'entraide, la coopération sont valorisées conduisent les jeunes, au cours de leur développement, à intérioriser le bien fondé de ces valeurs. On peut intégrer aussi le fait de faire de l'activité physique dans son mode de vie, d'avoir un mode de vie actif pour sa santé. On peut intégrer le fait d'avoir des gestes éco-responsables, développement durable. En fait, on intègre un peu pratiquement tout, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce que quand on est dans un environnement qui valorise les stéréotypes ou la violence, eh bien, on peut aussi intégrer des stéréotypes des stéréotypes sexués relatifs aux caractéristiques que devraient être les petites filles ou que devraient avoir les petites filles ou les petits garçons, et aussi des comportements violents. Donc ça pose problème à l'école quand les valeurs ou les comportements qui ont été intériorisés par certains élèves sont un peu en dissonance avec les normes scolaires. Gardons quand même à l'esprit que si effectivement il serait utopique de penser que tous les élèves puissent venir à l'école en adoptant une motivation intrinsèque, il est néanmoins possible d'aider ces élèves qui développent plutôt une motivation extrinsèque envers les apprentissages
à évoluer vers des motivations autonomes, c'est-à-dire des motivations dans lesquelles ils ont internalisé le bien fondé de ces apprentissages qui leur sont proposés. Deuxième élément pour comprendre le fonctionnement de la motivation, cette tendance à développer ou à avoir une motivation intrinsèque d'une part et à l'internalisation d'autre part, ne sont que des potentialités. Elles ne sont pas ni automatiques ni systématiques. Et ces processus-là de motivation intrinsèque et d'internalisation sont des processus assez fragiles qui nécessitent un nombre de nutriments ou de conditions pour les favoriser. Et la théorie de l'autodétermination a identifié trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont vraiment la clé de voûte de ces deux processus, motivation intrinsèque et internalisation. De même qu'il existe des besoins physiologiques fondamentaux, le fait de manger, de boire, dormir, qui sont nécessaires pour notre santé, eh bien, ces besoins psychologiques sont dits fondamentaux parce qu'ils sont directement reliés au bien-être. Donc, il y a trois besoins qui sont identifiés dans la théorie de l'autodétermination, besoin de compétences, de proximité sociale et d'autonomie. Le besoin de compétences, c'est pour se sentir bien dans un environnement, par exemple l'école ou le collège, il est nécessaire de se sentir capable de faire les tâches scolaires, d'apprendre les contenus qui sont proposés, de faire ses devoirs, etc. Donc, le sentiment de compétence, c'est le premier ingrédient, c'est le premier besoin psychologique fondamental, non seulement pour se sentir en état de bien-être au collège, mais aussi pour se sentir motivé à s'engager dans ces apprentissages-là. Ce besoin est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a également le besoin de proximité sociale. Tout individu, on le sait depuis de nombreuses années avec les théories de l'attachement, on a besoin en tant qu'être humain de se sentir intégré, connecté dans un environnement social, connecté avec les gens qui sont importants pour nous, nos parents, notre famille, nos amis, pour se sentir bien. On peut très bien se sentir compétent dans une classe, sentir capable de répondre à la question du prof de français, du prof de sciences, etc. Mais pas lever la main pour y répondre, de peur de se faire moquer, de se faire humilier, de se prendre une remarque, d'être jugé par un camarade, si le climat social au sein de la classe n'est pas sécurisant, s'il n'y a pas un sentiment de proximité sociale. Donc, pour pouvoir sentir bien et s'engager, être motivé de manière autonome, il est aussi nécessaire d'instaurer, de tisser un climat social qui permette de s'engager dans l'apprentissage. Troisième besoin, c'est le besoin d'autonomie. Celui-là, il est important aussi parce que c'est le fait de sentir qu'on peut expérimenter, qu'on peut tester, qu'on a son mot à dire et qu'on n'est pas un pion comme ça manipulé par l'enseignant à faire ce qu'on nous dit de dire, ce qu'on nous dit de faire, un simple exécutant, en d'autres termes. Donc, ce besoin d'autonomie, c'est agir, pour le résumer, en cohérence avec ses valeurs, avec ses intérêts, avec ses préférences. Et c'est pas souvent le cas dans le cadre scolaire. Parce que les programmes, ils ont été construits en identifiant ce qui était nécessaire d'apprendre aux élèves pour leur développement, pas forcément en raison d'un caractère plus ou moins présent, de ces contenus-là. Parce qu'il y a des évaluations fréquentes et que les évaluations font peser une menace de jugement sur l'activité de l'élève qui réduit un peu son sentiment d'autonomie. Parce que les élèves sont 30 par classe avec des aspirations, des envies, des intérêts différents et en tant qu'enseignant, il est difficile de répondre aux besoins d'autonomie de chaque élève en connectant les apprentissages avec les valeurs et les préférences de chacun. Voilà, donc c'est pas si simple dans le contexte scolaire de nourrir, de satisfaire ces trois besoins qui sont pour autant les pierres angulaires, je le disais, ou les éléments essentiels d'une motivation autonome. Ainsi, la théorie d'autodétermination, pour résumer les choses, présente le modèle suivant. Lorsque ces besoins psychologiques fondamentaux d'autonomie, de compétences et de proximité sociale sont satisfaits par l'environnement, par le climat scolaire, eh bien, les élèves ont tendance à adopter des motivations autonomes, qu'elles soient intrinsèques, intégrées ou identifiées, qui en retour, comme on l'a vu, sont associées à des conséquences positives. Bien-être, effort, persévérance. A contrario, lorsque ces besoins d'autonomie, de compétences et de proximité sociale sont menacés, parce que l'évaluation est trop prégnante, parce que le rythme est parce que les tâches sont les mêmes pour tout le monde, parce que le rythme est important, pour différentes raisons que l'on va évoquer, lorsque l'élève se sent pas autonome, lorsqu'il se sent pas vraiment considéré et qu'il se sent parfois incompétent, eh bien, il a plutôt tendance à développer des motivations contraintes, voire lorsque ce climat-là s'installe,
dans la durée et se stabilise, développer un état d'amotivation dont les conséquences sont vraiment délétères. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir comment peut-on susciter la satisfaction de ces besoins psychologiques fondamentaux, quels sont les gestes professionnels qu'on pourrait mettre en œuvre dans la classe pour favoriser la satisfaction de ces besoins. Comment susciter donc une motivation de qualité? Les premiers travaux sur l'autodétermination sont intéressés à la question de la récompense, qui a longtemps été considérée comme étant un levier motivationnel important. Une promesse de récompense devrait motiver les individus à s'engager. Et je vous présente là l'étude de Dessy, qui est l'étude de Princeps sur cette thématique-là, mettant en évidence que la promesse de récompense, en l'occurrence financière, a au contraire tendance à amoindrir la motivation intrinsèque. Lorsque les individus font une tâche pour le plaisir, une promesse de récompense leur donne le sentiment qu'ils vont être manipulés, et donc ce qui a tendance à détériorer leur motivation intrinsèque. Je ne rentre pas dans le détail de cette étude, mais c'est vraiment le point de départ de cette question sur le climat scolaire et le climat motivationnel. Par la suite, il y a eu des dizaines d'études qui ont été faites sur la récompense pour étudier ses effets sur différentes variables, sur différentes conséquences, mettant en évidence que de temps en temps, la récompense a quand même des effets positifs. Donc, on différencie deux types de récompenses. Les récompenses tangibles, c'est les promesses de récompense. Si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes. Si tu travailles bien dans l'entreprise, tu auras un bon salaire. Tout ça, c'est des promesses tangibles qui ont tendance à amoindrir la motivation intrinsèque. D'autant plus lorsque ces promesses portent sur la performance de l'individu. Non seulement si tu fais la tâche que je te demande, mais en plus si tu performes bien dans cette tâche-là, tu auras une bonne récompense. Ces promesses de récompense-là ont tendance vraiment à avoir un effet néfaste sur la motivation intrinsèque. A contrario, d'autres types de récompenses, des récompenses verbales, comme le satisfecit, l'encouragement, les félicitations, qui ont plutôt tendance à être délivrées après l'action, ont tendance à renforcer la motivation intrinsèque. Et donc, au final, pour comprendre les mécanismes, les effets de la récompense sur la motivation, il faut comprendre que la récompense peut avoir deux fonctions. Une fonction contrôlante, lorsque l'individu se sent manipulé, pressurisé par la promesse de récompense, ce qui amoindrit sa motivation intrinsèque, et un aspect informationnel lorsque la récompense témoigne de sa compétence, lorsque la récompense est le reflet de la compétence de l'élève dans son activité d'apprentissage, cet aspect informationnel renforce la motivation intrinsèque. Pour l'instant, on ne parle que de motivation intrinsèque. Et suite à ces premiers travaux, un certain nombre d'autres travaux sont intéressés aux techniques motivationnelles qui sont couramment utilisées et à leurs effets sur la motivation intrinsèque, en regardant quelle est la science, soit du côté contrôlant, soit du côté informationnel, de ces différentes techniques et quels sont leurs effets sur la motivation intrinsèque. Et la littérature met en évidence, par exemple, que les menaces de punition ont tendance à mettre en évidence le caractère contrôlant et à diminuer le sentiment d'être autonome tendance à augmenter l'impression d'être contrôlé et donc à un effet délétère sur la motivation intrinsèque. Idem pour l'évaluation, le fait d'évaluer les élèves fait porter sur eux un jugement qui a tendance à rendre saillant le côté contrôlant, réduisant le côté informationnel et donc un effet délétère sur la motivation intrinsèque. Idem pour la surveillance, le fait de se déplacer, de regarder par-dessus l'épaule des élèves quand ils travaillent, en passant dans les rangées, c'est plutôt le caractère contrôlant qui est saillant. Les dates butoirs, vous me rendrez ce travail pour dans une semaine, c'est bien une technique qui est importante dans le cadre scolaire et dans le cadre professionnel. Comment pourrait-on faire sans? Mais là, on s'intéresse vraiment aux élèves qui sont motivés de manière intrinsèque, qui de toute façon travaillent et feraient le travail sans qu'on ait besoin de leur donner une date butoir. Pour ces profils-là, le fait de proposer une date butoir a tendance à augmenter le caractère contrôlant de la situation et donc à amoindrir leur motivation intrinsèque. Il en est de même pour la compétition. Souvent, on utilise la compétition ou l'émulation, voir qui est le meilleur en EPS, par exemple, voir quel est celui qui fait la meilleure performance. Parfois même dans cette discipline, la compétition fait partie prenante des activités qui sont proposées, les sports co, etc. La compétition,
notamment lorsqu'elle est perdue, non seulement elle affaiblit le sentiment de compétence, mais en plus, elle active un sentiment d'indécision, d'anxiété, et qui ont tendance à rendre saillant le caractère contrôlant et donc à détériorer la motivation intrinsèque. On pourrait penser qu'il en serait autrement lorsque la compétition est gagnée, et en fait non. Si lorsque la compétition est gagnée, cela renforce le sentiment de compétence, eh bien, le sentiment d'anxiété et d'incertitude qui est inhérent à la compétition active en même temps le caractère contrôlant, et pour la plupart des individus, la compétition, même lorsqu'elle est gagnée, a tendance à amoindrir la motivation intrinsèque. Deux techniques motivationnelles, cependant, ont tendance à favoriser, à entretenir cette motivation intrinsèque, c'est les opportunités de choix, le fait de donner des choix aux élèves, leur laisser la possibilité de rendre leur travail à l'écrit ou à l'oral, de choisir parmi différents types d'exercices celui qui correspond le mieux à leur niveau, etc. Eh bien, ces comportements-là entretiennent et favorisent la motivation intrinsèque, de même que les tâches de défi. Le fait de proposer des tâches d'un niveau légèrement supérieur au niveau de compétence des élèves, eh bien, c'est plutôt intrinsèquement valorisant ou stimulant. Et donc, ça entretient la motivation intrinsèque. Sortons maintenant de la motivation intrinsèque, qui est vraiment une petite partie du continuum de motivation à l'extrême droite et finalement une forme de motivation sur laquelle se retrouvent assez peu les élèves dans le cadre scolaire. D'autres travaux se sont plus largement intéressés aux comportements qui sont de nature à nourrir la motivation autonome, donc qui intègre la motivation intrinsèque, mais aussi d'autres formes de motivation, comme on l'a vu, et à s'intéresser aux gestes professionnels qui sont de nature à nourrir le besoin d'autonomie, de compétence et de proximité sociale, ou au contraire à le menacer. Donc là, je vous présente un certain nombre de comportements qui sont reconnus comme étant favorables soit au soutien, soit à la menace des besoins. Le fait de tenir compte des préférences des élèves, d'offrir des choix, d'expliquer à quoi ça sert, de faire de la trigonométrie, de l'anglais, des sciences, d'utiliser un langage inductif, d'utiliser le conditionnel, as-tu regardé dans ton livre, as-tu pensé à faire ci ou ça ? A contrario, d'utiliser un système de récompense-punition. Si vous travaillez pas bien, vous aurez des bonnes notes. Écoute maintenant, sinon je te mets à moi sur ton carnet. De tout imposer, de ne pas expliquer à quoi ça sert ce qu'on enseigne, et d'utiliser un langage directif ou injonctif. Tous ces comportements-là ont tendance à laisser penser à l'élève qu'il n'est qu'un simple exécutant et donc à amoindrir son besoin d'autonomie. Concernant les comportements de l'enseignant qui sont favorables à la satisfaction du besoin de compétences, il y a le fait, toute la didactique professionnelle, le fait d'offrir des objectifs concrets, des contenus clairs, des tâches de défi, des conseils pour progresser, des feedbacks pertinents, adaptés, positifs, spécifiques, etc. Et à contrario, le fait de proposer des tâches qui soient vagues, des consignes qui soient pas très claires, des feedbacks inconsistants et surtout négatifs, tout cela a tendance à ne pas permettre à l'élève de s'auto-évaluer, de savoir quel est son niveau de compétence, voire même de penser qu'il est incompétent. Enfin, pour terminer, quels sont les comportements qui favorisent le sentiment de proximité sociale ? C'est le fait d'investir du temps, de l'énergie, d'exprimer son affection, de porter sur les élèves un regard inconditionnel, c'est-à-dire de ne pas uniquement s'intéresser aux meilleurs ou à ceux qui travaillent et qui correspondent aux attentes de l'enseignant, mais d'être inclusif avec tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés, et surtout de leur donner la possibilité d'exprimer librement leurs sentiments, leurs émotions, d'ennui, de frustration. On sait que les journées scolaires sont longues et que souvent les apports de connaissances un peu sous forme magistrale suscitent de l'ennui et de la frustration. Le fait de donner la possibilité aux élèves de le dire, de l'exprimer, leur donne l'impression qu'ils sont considérés et qu'ils sont compris. A contrario, le fait d'être froid, distant, de manifester du rejet, de piquer l'ego, d'avoir des chouchous, porter un regard conditionnel, tout ça sont autant d'éléments qui envoient le message à l'élève que l'enseignant ne les aime pas et tente à menacer ou à frustrer leur besoin de proximité sociale. Voilà pour la théorie. Globalement, maintenant, on va rentrer plus précisément dans la pratique et dans les perspectives plus concrètes. Et c'était ça l'une des originalités de cet ouvrage, c'est d'essayer de contextualiser ces différentes propositions qui émanent des recherches pour essayer de proposer des pistes concrètes, des gestes professionnels concret. Donc, autour du besoin d'autonomie,
il y a deux objectifs pour nourrir le besoin d'autonomie et favoriser une motivation autonome. C'est, comme on l'a vu, entretenir la motivation intrinsèque, c'est-à-dire garder l'enthousiasme des élèves. Et on sait que les élèves à l'école primaire, quand ils apprennent à lire, eh bien, ils sont contents d'apprendre à lire, de faire comme les grands. Ils ont cette motivation autodéterminée naturelle. Donc, comment faire pour l'entretenir tout au long de leur parcours scolaire sans la menacer? Premier objectif. Et deuxième objectif, eh bien, comment faire pour essayer de favoriser ce processus d'internalisation, de faire en sorte que les élèves passent du jaune, motivation contrainte, au vert, motivation autonome, en leur faisant intégrer le bien fondé, donner du sens aux apprentissages. Donc, pour ces deux objectifs-là, on a essayé de contextualiser pour donner plus de poids et de crédit aux situations, aux comportements, aux gestes professionnels de l'enseignant. Premier contexte, pour entretenir la motivation intrinsèque, on est avec Fabienne, qui est prof d'allemand. Sa classe de 4e B est sympathique, mais les élèves ont du mal à apprendre du vocabulaire. Donc, ils sont impliqués. Quelles sont les stratégies que Fabienne peut déployer pour entretenir cette motivation intrinsèque? Première stratégie, rendre visible la valeur et l'importance de l'apprentissage. Deuxième stratégie, s'appuyer sur l'envie de jouer. On a vu que le jeu était vraiment, la ludification était vraiment un levier important d'une motivation autonome et d'une motivation intrinsèque. Troisième stratégie, proposer des choix. Quatrième stratégie, créer des situations authentiques d'apprentissage. Donc, je ne vais pas pouvoir développer toutes ces stratégies, je vais en développer que quelques-unes. Par exemple, comment est-ce que Fabienne pourrait susciter ou ludifier un peu l'apprentissage du vocabulaire en utilisant des flashcards? C'est des cartes où il y a sur le verso, sur le recto, un mot écrit en français, sur le verso, la traduction en allemand, et garder 10 minutes à la fin de l'heure, par exemple, pour permettre aux élèves de s'interroger, voire même créer une dynamique coopérative en faisant des petits groupes et en comptant des points sans forcément que ce soit associé à une note et ne pas orienter les élèves vers des buts de compétition, mais juste créer de la coopération au sein des équipes en jouant à ce jeu qui permet de créer un état d'esprit plutôt stimulant et de mieux mémoriser le vocabulaire. Autre stratégie, proposer des choix. Quel type de choix est-ce que Fabienne pourrait proposer pour l'apprentissage du vocabulaire? Donner des listes de vocabulaire de 10 mots, c'est toujours fastidieux pour les élèves à apprendre, c'est long. Alors, leur dire que sur la liste de 10 mots proposés, il y en a 5 à apprendre, les 5 premiers parce qu'ils sont les plus importants par rapport au thème qui est proposé, et leur laisser le choix, parmi les 5 autres, de choisir les 2 qui les intéressent le plus. Elle pourrait également, dans cette même perspective, leur dire, ben, vous choisissez un thème, qui vous intéresse, ce que vous voulez, ça peut être les mangas, ça peut être le foot, ça peut être les jeux vidéo, ce que vous voulez, et chaque semaine, vous trouvez 3 nouveaux mots de vocabulaire, et au contrôle, eh ben, il y aura une petite partie du contrôle qui vous permettra de mobiliser les mots de vocabulaire que vous avez vous-même identifiés et appris sur le thème qui vous intéresse. Donc tout ça, c'est des éléments qui suscitent cette envie, ce jeu, qui entretiennent cette motivation intrinsèque. Deuxième stratégie, tous les élèves ne sont pas sur cette motivation intrinsèque et il s'agit d'internaliser l'engagement dans l'apprentissage. Donc, autre contexte, on est avec Pauline, prof d'histoire géo. Ses élèves de 4e B sont désintéressés par sa matière, ils subissent le cours, ils sont avachis et pour elle, c'est vraiment décourageant. Et donc, elle se dit qu'elle a peut-être plusieurs stratégies à mobiliser pour essayer d'inverser la tendance. Première stratégie, interroger les élèves sur leur expérience de cours. Deuxième stratégie, demander la manière préférée de faire cours, quel est le type de pratique pédagogique qu'ils préfèrent. Troisième stratégie, permettre aux élèves de travailler à leur propre rythme. Et quatrième stratégie, apprendre aux élèves à se définir comme des individus, en tout cas essayer de connecter les valeurs des individus ou des élèves, les valeurs et préférences des élèves avec les contenus d'apprentissage. Donc, comment faire pour interroger les élèves sur leur expérience de cours? L'une des possibilité ou des perspectives, c'est d'utiliser ce type de fiche, de permettre aux élèves d'identifier les émotions qu'ils ressentent sur le moment. Alors, il y a plein de pratiques pour identifier les émotions. Une telle fiche n'est qu'une proposition. On peut faire un baromètre émotionnel. On peut faire une météo des émotions. Admettons que Pauline utilise cette technique-là où elle propose différentes émoticônes qui traduisent différentes formes d'émotions, des plus désagréables aux plus agréables, et qui sont associées à un ressenti. Je n'ai plus d'énergie, je m'ennuie, je me sens dépassé, je comprends pas le cours. Ça va, ni plus ni moins. Je suis tranquille, je comprends le cours, je suis serein, je suis captivé, le cours est super intéressant.
Et donc, l'idée, c'est que Pauline utilise cette fiche-là et habitue les élèves par le biais de routines à exprimer leurs émotions quand tout va bien, d'abord. Début de cours, quand ils sont enthousiastes, on utilise cette fiche pour pouvoir mieux l'utiliser lorsqu'elle s'aperçoit que l'engagement des élèves diminue, que leur implication effectivement est réduite et qu'ils n'ont plus d'attention. Et bien, à ce moment-là, ça peut être le moment d'utiliser cette fiche-là pour permettre aux élèves d'exprimer leurs émotions. On sait que exprimer les émotions, c'est une première étape vers la régulation et vers une possibilité de remédiation et de dépasser ces émotions un peu ennui, frustration, désagréables, qui sont délétères pour l'apprentissage. Deuxième stratégie que peut utiliser Pauline, c'est le fait de permettre aux élèves de travailler à leur rythme. Donc là, la perspective, c'est par exemple de proposer un travail en groupe, de prévoir deux séances, mais deux séances dans lesquelles ce travail en groupe est faisable, pas deux séances alors qu'il en faudrait cinq, mais deux séances dans lesquelles ce travail en groupe est faisable, et puis de donner la possibilité aux élèves qui le souhaitent, soit de faire le travail dans ces deux séances, soit au contraire de le finir à la maison, s'ils ont besoin de plus de temps pour compléter leurs réponses, s'ils ont besoin de plus de temps pour soigner le travail, ajouter des schémas, ajouter des choses comme ça qui donnent un peu plus de soin ou de clarté à leur travail, ils peuvent le faire. Et autre choix également, ou autre perspective par rapport à ça, c'est d'offrir la possibilité aux élèves de présenter le travail à l'oral ou à l'écrit. Voilà quelques perspectives pour le besoin d'autonomie. Qu'en est-il du besoin de compétences? Deux grandes stratégies pour nourrir le besoin de compétences. Une première stratégie qui renvoie au dispositif, c'est-à-dire comment concevoir des dispositifs pédagogiques qui vont favoriser le sentiment de compétence et s'adapter surtout à la diversité des élèves. Et puis, deuxième stratégie, là on est dans l'acte d'apprentissage en cours. Comment faire pour guider les élèves, les accompagner, donner du feedback, des conseils pour les aider à continuer à s'engager dans l'apprentissage. Premier objectif, premier contexte, on est avec Sébastien, qui est prof de maths. Il a un niveau de classe en 3e B qui est très hétérogène. Il a certains élèves qui maîtrisent bien les outils mathématiques et qui intègrent rapidement les nouveaux apports de connaissances. D'autres n'arrivent pas à faire les exercices, même les plus simples. Et enfin, un petit groupe d'élèves est totalement décroché. Donc, plusieurs stratégies pour essayer de remédier à cette situation et nourrir le besoin de compétences. Permettre aux élèves d'avoir une quantité de pratique suffisante. On sait que le fait de pratiquer, c'est un moyen d'apprendre. Deuxième stratégie, favoriser la réussite de chacun en proposant des tâches accessibles à tous. Troisième stratégie, concevoir des tâches qui soient différenciées au niveau de chaque élève. Essayer de différencier, voire d'individualiser. On sait bien que c'est pas facile. Et quatrième stratégie, rédiger des consignes explicites avec des critères de réussite. Donc, j'ai développé deux stratégies. La première, c'est différencier son enseignement. Plutôt que de proposer les mêmes exercices à faire en même temps à tous les élèves de la classe, quel que soit leur niveau, eh bien, Sébastien décide de proposer trois fiches d'exercices avec des niveaux différents. Le niveau 1, c'est la fiche consolidation des bases, où là, il y a des exercices de 5e ou de 4e, alors qu'il s'agit d'élèves de 3e, mais qui vont leur permettre de faire un rappel de connaissances sur les fractions. Deuxième fiche, niveau 2, c'est la fiche application variée, où là, il s'agit de mobiliser les contenus du cours dans différents types d'exercices, d'avoir identifié les identités remarquables, savoir les développer, savoir les reconnaître. Et puis, troisième fiche de niveau 3, c'est défis personnels, où là, il s'agit de proposer des exercices où il y a un peu moins de guidage, où les consignes de résolution sont un peu moins guidées. La spécificité de ces fiches-là, c'est qu'au verso de ces fiches, il y a les réponses. Donc, les élèves, ils peuvent, une fois l'exercice terminé, tourner la fiche et regarder s'ils ont réussi. Là, l'ambition, c'est pas d'apprendre aux élèves à réussir, c'est pas de leur permettre de réussir, c'est d'apprendre aux élèves à savoir comment réussir. Et donc voilà, c'est un contrat avec l'élève que Sébastien passe en disant « Vous avez des difficultés pour certains d'entre vous, j'en suis conscient, maintenant laissez-moi vous aider à consolider vos bases, à mieux mobiliser les contenus, voire à développer de nouveaux apprentissages et des défis personnels, mais effectivement, je vous donne la possibilité de pouvoir vous auto-corriger. » Deuxième stratégie, c'est la stratégie de rédiger des consignes claires sur les procédures.
Parce que bien souvent, Sébastien, il s'est aperçu que lorsqu'il donne que les consignes, que le but de la tâche, que le quoi faire, bah, les élèves, ils s'engagent dans l'exercice en essayant de reproduire ou d'imiter des procédures qui ont été vues en classe, mais sans trop les maîtriser. Alors là, pour essayer de les rendre plus actifs sur les procédures de résolution, il précise ses consignes. Il leur explique le comment faire, les étapes de résolution, les questions à se poser à chaque étape, les critères de réussite qui leur permettent de savoir s'ils ont juste ou pas. Donc, il accompagne le travail des élèves dans la résolution de la tâche. On passe maintenant au deuxième objectif qui est aider les élèves dans le guidage. Là, on est avec Alban, prof de français. Ses élèves de 6e sont anxieux. Il la sollicite tout le temps pour qu'ils viennent les voir et qu'elle valide si leur travail est bien fait ou non. Trois stratégies. Valoriser le comportement des élèves, ses résultats, ses progrès, ses efforts, démultiplier les feedbacks et engager les élèves dans un guidage progressif. Première stratégie, ça pourrait être par exemple de proposer un texte à lire, on est en français, ou avec des questions de compréhension, de vocabulaire, de conjugaison, la consigne est marquée au tableau, mais pendant les 10 minutes, eh bien Alban s'évertue à passer d'élève en élève et de relever aucune erreur, juste de valoriser ce qu'ils font déjà, leurs efforts, leur travail, le fait de mobiliser les connaissances dont ils ont déjà, qu'ils ont déjà, etc. Pendant 10 minutes, aucun feedback, en gros négatif, qui viendrait soulever des erreurs, que des encouragements, et progressivement, après 10 minutes, elle vient faire des feedbacks qui soient ciblés et plutôt brefs à ses élèves. Démultiplier les feedbacks ensuite, dans un deuxième temps, dans cette activité-là, c'est faire des retours brefs, ciblés, c'est de proposer des fiches d'autocorrection, comme l'avait fait Sébastien en maths. Une fois que les élèves ont fini de lire le texte et de répondre à toutes les questions, ils peuvent d'eux-mêmes aller consulter les fiches d'autocorrection qui seraient sur une table dans la classe pour voir s'ils ont bien réussi ou pas. Faire des retours collectifs. Alban s'aperçoit que ses élèves, dans le texte, maîtrisent mal le passé simple. Donc, faire un retour sur le passé simple pour qu'ils soient capables de dépasser cette difficulté qui est commune. Faire des retours privés, sécurisés pour les élèves qui doutent de leurs compétences et qui ont besoin d'être rassurés. Voilà pour le besoin de compétences. Besoin de proximité sociale, deux stratégies. La première renvoie à tisser des bonnes relations prof-élève, la relation que les enseignants entretiennent avec leurs élèves. Et deuxième stratégie, c'est essayer d'instaurer un climat de coopération, donc des bonnes relations entre les élèves. Premier contexte, on est avec Martin, qui est un jeune prof de musique et qui, pour marquer son autorité, il a entendu à l'INSPE qu'il était nécessaire de peu sourire, de rester sec avec ses élèves, de garder ses distances. Il sait pas trop d'où viennent ses consignes, mais c'est un peu les rumeurs qui circulent dans les couloirs et les jeunes enseignants s'évertuent à mettre en œuvre. Chaque heure de cours avec sa classe de 6e 6 s'apparente, de 6e F s'apparente avec un affrontement entre ses élèves et lui. Et donc, il s'aperçoit que il va à reculons en cours et que c'est plus possible de continuer ainsi. Donc, trois stratégies s'offrent à lui pour essayer d'inverser cette tendance. Être chaleureux, empathique et soutenant avec ses élèves, de manifester son enthousiasme et son intérêt et d'adopter un regard positif inconditionnel pour davantage considérer et soutenir leurs besoins de proximité sociale. Là, je développerai qu'une seule stratégie parce que les autres sont assez évidentes. Donc, c'est le cas de Martin qui, au cours suivant, après ce constat que c'est plus possible de continuer ainsi, accueille ses élèves à la porte, sourit à chacun, leur dit bonjour individuellement et démarre son cours en disant « Bon, voilà, j'ai compris que c'était pas facile pour vous de faire cours de musique le vendredi soir en dernière heure. C'est pas facile de soutenir son attention. Aujourd'hui, on va essayer de faire un cours plus rythmé, plus dynamique. » Et il réinstaure ainsi une relation plus positive et empathique avec ses élèves. Je passe sur ce premier objectif parce que c'est assez récurrent avec ce que j'ai évoqué précédemment. J'en viens sur le deuxième qui est peut-être un peu plus innovant ou un peu moins habituel. On est avec Sandra, prof de physique-chimie. Dans sa classe de 4e, les élèves ne s'entendent pas. Il y a des clans qui divisent la classe et certains élèves se moquent des autres ouvertement lorsqu'ils prennent la parole. Et là, trois stratégies intéressantes que je vais développer chacune. Construire un climat de sécurité en classe. Concevoir des dispositifs d'apprentissage qui soient coopératifs et développer des habiletés coopératives. Donc, pour construire un climat de sécurité, Sandra décide de construire le cadre, de construire les règles de vie de classe avec les élèves, leur permettre d'identifier les comportements ou les règles qui leur permettent de se sentir en sécurité dans la classe. Donc là, travail en îlot, par groupe affinitaire, les élèves évoquent un certain nombre d'éléments qui leur permettraient de se sentir plus en sécurité, ne pas être jugés,
pouvoir s'exprimer librement, etc. Et dans un deuxième temps, chaque groupe en classe entière expose ses différentes propositions. Ça donne lieu à un débat que Sandra arbitre, permet à chacun de s'exprimer, de négocier les règles, de sorte que chaque élève de la classe intègre ce règlement de la classe comme étant un peu le fruit d'un travail collectif qu'il accepte pour mieux en respecter ensuite les normes scolaires ou les normes de classe qui en découleraient. Deuxième stratégie, concevoir des dispositifs d'apprentissage coopératifs. Là, Sandra se dit, il y a des clans qui divisent, on va essayer de faire en sorte de dépasser ces clans. Et elle travaille sur la vitesse de la lumière, par exemple. Elle a construit 25 fiches, elle a 25 élèves dans sa classe. Elle a fait une petite fiche pour chacun d'eux sur un point différent du programme. Pour les uns, c'est la vitesse de la lumière. Pour d'autres, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans un liquide. Pour d'autres, c'est une expérience de Galilée sur la vitesse de la lumière, etc. Bref, elle traite tous les points et elle distribue une fiche à chaque élève. Les élèves la lisent, puis elle leur demande de se mettre debout et de se déplacer dans la classe. Les élèves marchent avec leur petite fiche. Et au signal de Sandra, les élèves s'arrêtent, forment un binôme. L'élève A commence à présenter sa fiche à l'élève B. L'élève B, une fois la présentation terminée, peut poser une question si ce n'est pas clair. L'élève B ensuite enchaîne, présente sa fiche à A. A peut poser des questions. Et si c'est OK, A et B s'échangent leurs fiches et poursuivent ainsi en se déplaçant dans la classe jusqu'à rencontrer un autre binôme et présenter la fiche et s'approprier ainsi progressivement l'ensemble des fiches qui ont été proposées par Sandra de manière coopérative. Dernière stratégie, développer les habiletés coopératives. Sandra utilise souvent des îlots, des petits groupes d'élèves pour travailler, mais elle s'aperçoit que certains élèves parlent plus que d'autres, d'autres sont complètement effacés, certains sont complètement travaillent seuls, et donc elle se dit il faut que on travaille les habiletés coopératives, c'est-à-dire les prérequis nécessaires au travail et à l'échange en groupe. Et donc elle propose des jetons de conversation, donc elle dispose ses élèves en îlots, elle les regroupe en petits groupes de 4-5, et elle distribue 10 jetons de couleurs différentes à chacun, de sorte que dans ce travail-là, sur la vitesse de la lumière toujours, lorsqu'un élève prend la parole, il dépose un jeton, un de ses jetons au milieu de la table, et quand on n'a plus de jetons, on peut plus parler. Ça permet de faire en sorte que ceux qui parlent beaucoup choisissent leur prise de parole, que ceux qui parlent peu puissent avoir un peu plus de temps pour parler. Et donc Sandra se déplace comme ça dans sa classe et elle est attentive à quoi? Non pas à savoir si les élèves maîtrisent le cours sur la vitesse de la lumière, mais savoir plutôt s'ils utilisent à bon escient, si ça régule leur comportement, si le ton d'échange entre les élèves est plus acceptable, etc. pour finalement pouvoir, à terme, elle l'espère, se départir de cette technique des jetons de conversation une fois qu'ils auront intégré ces habiletés coopératives. Plusieurs études et méta-analyses mettent en évidence les bénéfices de ce style motivationnel. Alors, comme le temps file un peu, je reviens juste sur cette revue systématique de Rive et collaborateurs qui met en évidence que les bénéfices de l'utilisation de ce type de comportement, de gestes professionnels, sont non seulement pour les élèves, qui s'engagent plus et qui ressentent leurs besoins mieux satisfaits, pour la classe, parce que ça réduit les tensions, les conflits, ça améliore l'acceptation et les comportements prosociaux, mais aussi pour l'enseignant lui-même. Le fait d'utiliser de telles stratégies pédagogiques permet à l'enseignant de se sentir plus motivé à enseigner, d'avoir plus de vitalité et de prévenir son burn-out. J'en termine avec une dernière partie très rapide sur la dynamique motivationnelle. Tout ce que j'ai évoqué précédemment, c'est pas si simple à mettre en place parce que, il y a une dynamique en fait qui s'instaure et l'effet des comportements de l'enseignant n'est pas si linéaire sur les élèves. Généralement, l'enseignant propose un dispositif, les élèves réagissent en s'engageant plus ou moins. Si les élèves s'engagent pas, l'enseignant a tendance à réguler, à recadrer et ça a un impact sur l'engagement des élèves. Tout ça pour dire que ça donne lieu à deux dynamiques motivationnelles. Une dynamique plutôt vertueuse, qui est l'exception plus que la règle dans le cadre scolaire, et une dynamique plus délétère, dans laquelle les apprentissages, les situations proposées par l'enseignant sont perçues comme répétitives, comme nécessitant beaucoup d'engagement, sont plus couronnés d'échecs que de réussites. Les élèves
face à ces situations qu'il perçoit comme étant peu motivantes, s'engage peu. L'enseignant le prend pour lui, a tendance à menacer ses élèves qui développent encore moins de motivation autonome. Donc, l'idée importante, c'est de dire que le style motivationnel et les comportements de l'enseignant, c'est dans cette troisième étape-là de cette dynamique délétère qu'il est crucial. C'est lorsque les élèves adoptent un comportement qui sont en dissonance avec les attentes de l'enseignant, qui, au lieu d'interpréter ces comportements désengagés des élèves comme étant le fait de ne pas aimer la discipline, de ne pas aimer l'enseignant ou quoi que ce soit, qui serait une atteinte à l'enseignant lui-même, plutôt d'intégrer ces comportements comme étant des signes, des indicateurs qu'ils ont besoin de plus de besoins et donc de déployer encore plus de comportements qui soutiennent les besoins d'autonomie, de compétences et de proximité sociale. Développer de tels comportements sont d'autant plus difficiles que l'enseignant est en proie avec un contexte qui est pesant sur lui, parce que il y a différents types de pressions dont est la cible, dont l'enseignant est la cible, des pressions d'en bas, c'est-à-dire les comportements désengagés des élèves. C'est d'autant plus difficile de soutenir l'autonomie des élèves, de proposer des choix, d'accepter les émotions d'ennui, de frustration des élèves quand ces derniers chahutent, regardent leur téléphone en cours, bavardent, etc. C'est pas simple d'avoir des comportements soutenants face à des pressions de ce type-là. Il y a d'autres types de pressions également, c'est les pressions de l'intérieur, c'est les croyances. Il y a beaucoup d'enseignants qui forgent leur philosophie d'enseignement sur la base de leur expérience et qui adhèrent au fil des années à l'idée que le système carotte-bâton, récompense-punition, avec toutes les techniques motivationnelles que je présentais tout à l'heure, hein, les promesses de récompense, les dates butoirs, la compétition, les surveillances, etc., sont des techniques efficaces pour motiver les élèves, alors qu'elles sont en fait des techniques contrôlantes qui menacent leurs besoins psychologiques. Enfin, il y a des pressions qui viennent d'en haut, notamment des pressions temporelles. On a toujours l'impression de manquer de temps, de pas avoir assez de temps pour finir le programme. Et toutes ces pressions-là, eh bien, elles grignotent des ressources, en fait. Et c'est ça l'élément essentiel. C'est que si on comprend bien que le style motivationnel de l'enseignant qui soutient le besoin est nécessaire pour favoriser une motivation autonome et un engagement, on n'a pas toujours les ressources en tant qu'enseignant pour mettre en place de tels comportements, parce que toutes ces pressions dont je viens de parler grignotent les ressources en énergie, en motivation, en temps, en émotion de l'enseignant et ne lui permettent pas de déployer de tels comportements soutenant les besoins. Donc voilà, il faut être tolérant avec soi-même et comprendre que probablement l'un des éléments les plus essentiels pour essayer de dépasser ces pressions renvoie aux émotions de l'enseignant, gérer ses propres émotions qui ont tout souvent tendance à l'amener vers un style contrôlant. Voilà, j'en termine avec cette présentation. Pour aller plus loin, je vous renvoie à l'ouvrage dont j'ai pas pu présenter toutes les stratégies et en vous signalant également qu'il y a un diplôme universitaire sur la motivation qui a ouvert il y a quelques années sur Grenoble, à l'INSPE, pour pouvoir poursuivre ces réflexions-là. Merci de votre attention, en tout cas. Désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Damien, pour cette conférence vraiment très stimulante et très pédagogique. Donc, il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Vous pouvez soit les poser dans le chat, soit prendre la parole directement. Il y a une question dans le chat. Oui, la conférence sera accessible en ligne ensuite. Peut-être, j'ai une question, Damien, je vais allumer ma caméra. En t'écoutant, je me demandais comment est-ce que pouvait être vécu, ou tout du moins quels étaient les impacts des disparités des pratiques pédagogiques entre les enseignants sur la motivation des élèves. Parce que toutes les stratégies que tu as présentées relève, pour certains, je pense pas pour tous les enseignants, mais d'un changement un peu de pratique professionnelle, d'un changement de pratique pédagogique. Et du coup, les élèves peuvent être exposés à des pratiques assez différentes.
Il y a un effet dose, entre guillemets, sans reprendre une métaphore du Covid, on aimerait bien sortir. C'est-à-dire que ces stratégies motivationnelles, elles sont d'autant plus efficaces sur la motivation des élèves qu'elles sont partagées par l'ensemble des enseignants de l'équipe et qu'elles ne sont pas isolées. Et que donc, il est intéressant de réfléchir à l'échelle de l'équipe ou de l'établissement sur des pratiques communes qui permettraient de favoriser cette motivation autonome. Parce que si l'élève sort du cours de maths dans lequel le contenu était très stimulant, super dynamique, qui favorise les choix, etc., et qu'il arrive en français derrière et que il y a pas un mot, faut s'asseoir, pas bouger, écouter, être attentif, avec un apport de connaissances massif dont il a l'impression d'être dépassé, et ben tous les bénéfices du cours de maths, par exemple, et ben sont anéantis derrière par le climat instauré dans le cours suivant, et il serait préférable effectivement de réfléchir à l'échelle de l'équipe plutôt qu'à l'échelle de l'enseignant lui-même. Super, merci beaucoup. Il y a une question dans le chat. Y a-t-il une différence entre les leviers de motivation au collège et au lycée? Et si oui, pourquoi? Alors, on a ciblé sur le collège parce que le collège a une caractéristique particulière, c'est qu'il n'y a pas d'orientation particulière au collège. Ça accueille tous les élèves d'une classe d'âge, le collège aujourd'hui. Et c'est probablement là que se pose avec plus d'acuité les problèmes de motivation avec des adolescents, avec des élèves qui rentrent dans l'adolescence. Les leviers sont pas forcément différents dans leur fondement théorique, mais ils sont certainement un peu différents au lycée dans leur mise en œuvre, dans leur adaptation au public. Au lycée, on a deux types de on a les lycées généraux, techniques et professionnels, avec des publics bien différents. Et il serait probablement intéressant de s'intéresser et aux leviers plus spécifiques en lycée professionnel, qui est quand même un peu laissé pour compte dans les systèmes dans le système scolaire. Il serait intéressant d'essayer d'adapter des pratiques plus spécifiques aux élèves de lycée professionnel, je pense. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions, commentaires, remarques, réactions? En termes de diffusion, le livre, parce que je vois que, enfin, merci déjà, hein, et il y a beaucoup d'outils, beaucoup de théories et de pratiques. Enfin, tout a l'air de bien être impacté et ficelé dans ce beau bouquin. Et du coup, je me demandais au niveau de la diffusion. Sur les enseignants, sur les personnes qui forment les enseignants justement, et est-ce qu'il y a des supervisions, des ateliers, des interventions qui sont mises en œuvre pour diffuser ces connaissances? Alors effectivement, on a essayé de faire de résumer, d'adresser cet ouvrage aux enseignants entre guillemets de terrain qui n'ont pas toujours accès au retour d'expérience de recherche, et c'est vraiment une question de savoir comment faire en sorte, dans la valorisation des résultats de recherche, de les diffuser au plus grand nombre. Et dans cette perspective, sur Grenoble, il y a eu plusieurs initiatives, et pas que sur Grenoble, mais en tout cas, étant de Grenoble, je peux en parler plus facilement. Première initiative, c'est de créer des DU, où le premier, c'est Rebecca qui l'a ouvert, le début promotion en santé mentale, il y a un DU sur les compétences psychosociales, et donc le DU sur la promotion de la motivation et du bien-être scolaire, le DU Promob à l'INSPE. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est de travailler avec le rectorat sur la formation de groupes de formateurs académiques qui peuvent s'approprier ces résultats-là et plus facilement et largement les diffuser aux enseignants. Donc, sur l'Académie de Grenoble, il y a un groupe de formateurs académiques motivation et engagement qui fait des formations établissements, une vingtaine par an, et donc qui touche chacune d'entre elles 20 enseignants. Donc, 20 formations qui touchent chacune 20 enseignants, ça assure un déploiement important. Et voilà, l'idée, c'est de faire aussi des conférences régulièrement dans d'autres académies pour essayer de contribuer à la diffusion de ces propositions-là. Une question dans le chat où Laetitia nous partage un peu ce qu'elle peut entendre
lorsqu'elle parle aux enseignants qui peuvent tenir des propos comme c'est quand même pas à moi de m'adapter, c'est aux élèves de s'adapter, c'est le monde à l'envers et les parents aussi, je vais pas faire leur travail, notamment sur la question de l'importance des émotions. Du coup, comment leur faire comprendre que cela peut les aider justement de développer ces compétences émotionnelles, ces pratiques C'est effectivement une question importante qui renvoie aussi à la formation initiale et continue. Beaucoup d'enseignants rentrent dans le métier avec des bonnes compétences disciplinaires, mais pas forcément suffisamment de formation sur les relations pédagogiques, sur les caractéristiques des élèves, sur les pratiques pédagogiques qui favorisent la motivation ou non, etc. Et donc, du coup, se cristallise un certain nombre de croyances comme celles-ci, qui sont difficiles ensuite à dépasser, et certainement pas de manière frontale en tout cas, en présentant des bouquins, en disant « lis ça, certainement pas la bonne stratégie qui ne va faire que renforcer ses croyances, ou en tout cas favoriser une réaction défensive », eh ben, c'est plutôt de proposer des formations d'équipe ou des collectifs d'enseignants ou de personnel d'éducation au sens large s'emparent de ces propositions-là et intègrent progressivement les collègues dans ces dynamiques-là. Certains collègues du DU Promop, par exemple, ont constitué des cahiers de pratiques pédagogiques qu'ils ont mis à disposition en salle des profs, de manière à ce que les enseignants qui le veulent puissent les consulter, mettre des affiches pour proposer l'émotion du jour ou des pratiques du jour, etc. Et par ces moyens indirects-là, inclusifs plutôt que frontaux, eh ben peuvent permettre progressivement d'intégrer les collègues. Et c'est par l'expérience pratique plus que par le fait d'essayer de convaincre oralement que les choses changent. C'est lorsque l'enseignant fait l'expérience que le soutien des besoins est efficace et change son climat de classe que cette expérience pratique embarque par là même le changement de croyance et non pas par la rhétorique, je pense. Okay. En effet, Sarah proposait également. Guillaume, comme il est 13h35, ouais. Il faut penser à s'arrêter. Ok, vas-y. Juste le dernier commentaire de Sarah qui parlait de la co-animation avec des enseignants qui ne sont pas fermés à ces pratiques. Donc, pour rejoindre un peu cette dimension expérientielle qui n'est pas forcément directe, frontale, rhétorique. Merci beaucoup Damien pour cette conférence vraiment enrichissante. Merci à toutes et tous pour votre participation, vos questions. C'est toujours un plaisir d'assister à ces conférences. Aussi, on tient à remercier toutes les personnes qui permettent l'organisation de ces conférences Feel Good. Donc Rebecca qui organise et qui chapeaute un peu tout ça, mais aussi la MSH, donc la Maison des Sciences de l'Homme Alpes, les laboratoires de recherche LIP PC2S et le laboratoire DIF de Lyon 2, la SFR Santé Société, le département Sciences Humaines et Sociales de l'UGA. La chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique, et l'association, l'association Social Plus. Du coup, j'ai la prochaine conférence, alors j'ai plus la date en tête. Ça sera le 26 janvier, du coup, à 12h30, et ce sera sur la thématique développer le bien-être à l'école, et sera donné par Julien Masson. Super. Et ce sera en présentiel à Grenoble, peut-être en format hybride. On reviendra vers vous. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la MSH concernant cette prochaine conférence. Et un grand merci à FX aussi qui co-organise ce cycle de conférences. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée. Oh.
Bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt. Thank you.